Salut! Coucou, alors on est où? Tu mets où? On... À l'Oupale! C'est vrai? Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on va les voir pour les loges et après, on va aller dans le parc. Très bien, alors bon, on y va, alors donc c'est parti. Voilà. Et voilà. Et est-ce que tu es content? Oui. Bon, allez, ben on y va. C'est parti. Allez, go. C'est parti. Allez, attention. Bonjour. Allez, allez. Top. Mais où est-ce qu'on va? On va au zoo. Oui, mais qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va pour une attraction ou pas? Oui, on va aller voir Champifolie. Il y a une animation qui va débuter autour des hippopotames. On retiendra. Tout à fait. C'est parti. Oui. Donc, super. Super. Ouais. Alors, il est où alors? C'est quoi qu'on regarde là? L'alligator. Ouh. Non, mais... C'est rare quand il nage, hein. C'est pas assez rare qu'il soit là. Parce que d'habitude, ils sont sur la rive là. Donc là, on va à Champifolie. Ah, mais c'est rare d'avoir un. Il attend qu'il tombe dans l'eau. Il attend, mais il t'attend. Oulala. Pas fiche de plonger. Qu'est-ce que t'en penses? Ne pas se baigner ou pas te baigner. Non. Ah ouais. Viens toi. Viens voir. Alors, sensation? Sensation. Voilà. Ah oui, c'est beau. Ils sont beaux, hein. Et juste là-bas, il y a un autre truc. Ouais, c'est parce que c'est une espèce de pingouin. Ah oui. Eh ben. Il y a zéro vue. Ouais. Le bateau, j'ai pas de temps. Hein? Bateau, niet. Après le petit déjeuner, c'est vachement bien. Moi je vais pas vomir. Non, c'est super bon, pour l'instant je suis pas malade, mais tout va bien. Ah, et encore plus. J'ai bien fait 30 canoës. Mamie elle se mord parce qu'elle est jamais malade. Elle peut être malade un jour. Ça peut arriver. Elle va aller à 90 km/h.
le pal avec pas trop de monde. Tout va bien. Timéo, est-ce que ça va bien? Non, parce que j'ai pas pu aller dans l'attraction que je voulais, je suis trop grand. Bah oui, mais t'es grand toi maintenant. T'as, moi, oui. T'as 10 ans? Eh, on va aller voir le train. C'est parti. Scarabée du pal. Ouais. Hey, chacun va dans un bateau. Comme ça, on n'est pas tous ensemble. Comme ça, on peut s'arroser. Oui, si on veut. Mamie. Non. Ouais. Ça penche? Oui. Tu peux. Tu peux. Allez, prends ça, toi. Allez. Il est. Faut oser le panier. Une croisière au pal à Dompierre-sur-Bèvre. Nickel. La croisière s'amuse. Ça s'appelle le bouffe de débat, je crois. Ah, il est pas fait pour ça. Ça va, Michel? Ça va. Ah, je rigole moins là. Alors pour l'instant, je tiens le coup, mais je sais pas combien de temps. Colorado, il est actif, hein. Après, ouais. Est-ce que tu veux y être? Non, c'est juste devant vous. Ah, mais oui. J'ai déjà vu des vidéos de tout ça sur le site. Ah, bah, c'est ça. Ah, bah, c'est ça. Non, pas de noir, non. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ben non. Ah, celui qu'on a fait tout à l'heure là. Ah oui. Vomis pas, Manu. Sur toi. Waouh. La casquette, c'est bon. Elle tient bien? Ouais. Wow. Oh. Et là, oh. Ah oui, c'est les maquettes, là. Ah.
Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça va, un petit peu serré, mais ça va. Très bien. Alors donc voilà, tout va bien. C'est pas fastoche du tout, regarde la pente. Mais il y a des petits bateaux sur l'eau. Même pas tout. Même toi, mamie. Oh, t'es chouchotte. C'est Marie chouchotte. Là-bas, t'as vu ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des bassins à... C'est trop bien, des bassins à bateaux. Ah ouais. T'as vu là-bas? Ah ouais, c'est en construction. T'as vu? C'est le petit bateau qu'ils vont faire. Ah ouais, on va le faire ça. Ils vont ouais. Le faire après ça. Ouais.
Je prenais conscience du besoin de les faire découvrir au plus grand nombre pour que chacun apprenne à respecter et protéger ses animaux. Voici les oiseaux au travers des légendes. Allez, on continue dans le monde des rapaces nocturnes avec des oiseaux un petit peu plus imposants. Spiro qui rejoint son papa, Bastien, la chouette Leptogramme, originaire d'Asie du Sud-Est. Et qui me rejoint au camp, ici il s'agit de la chouette Lapone qui, comme son nom l'indique, nous vient de Laponie, du nord de l'Europe. Observez la chouette Lapone avec ce grand rond au niveau de la tête, on appelle cela un masque facial ou disque facial. Ça va leur servir de parabole pour pouvoir capter les sons et les rediriger vers les oreilles qui se trouvent de chaque côté de la tête. Dernière chose très utile pour nos chouettes Lapone, qui en effet, vivant dans les pays où il fait très froid, c'est froid pendant l'hiver pour se capter au niveau de la tête, ils peuvent tourner la tête à environ 270 degrés de chaque côté quand nous sommes bloqués à 45 degrés. Allez, on va proposer un dernier. Carahupé, car ils possèdent au-dessus de la tête une petite touche de plumes qui vont pouvoir élever ou abaisser suivant leur humeur. On va entendre pour certains un cri assez caractéristique qu'on appelle un craquettement et qui leur a d'ailleurs donné ce nom de caracara. Qui, à leur tour, bénéficiait de l'aide de l'animal pour la chasse ou pour la garde. C'est ainsi que sont apparues les notions d'élevage, de dressage et de domestication. Découvrons après. Corpulente qui elle est originaire des États-Unis. Alors sur nos bambous à Agathe et moi, on présente des oiseaux appartenant à la famille des Psittacidae, la famille des perroquets. Deux espèces de perruches, les perruches varavant, quasiment entièrement vertes, et les perruches de pelant, deux espèces originaires d'Australie. Tout en douceur et en délicatesse. Alors pour l'histoire de petites perruches baravant, elles font leur premier pas ici parmi nous. C'est leur premier vol depuis quasiment un petit mois, donc elles prennent leur marque. Les oiseaux ont été élevés à la main dès la sortie de l'œuf, ce qui nous permet d'avoir des oiseaux qui sont naturellement proches de l'œuf, qui n'ont pas peur, ce qui nous permet de vous les présenter de façon assez proche, mais aussi de pouvoir les travailler en vol rapidement ici sur l'esplanade. Alors comme toute espèce de perroquet, ce sont des oiseaux en élégance, haut sur ses pattes. Voilà, ça y est, il a trouvé ce qu'on avait mis à son intention. Ici, il s'agit d'un faux serpent en caoutchouc. Alors pourquoi cette proie? Simplement pour vous montrer leur technique, parce qu'il va capturer une vraie proie. Il la saisit avec le bec et le lance le plus fort possible sur le sol, afin de la tuer ou de la sauver. De leur apprendre. D'ailleurs, régulièrement, dans l'embolière, il y a des. Alors,
conservé sa silhouette lorsqu'il était en vol, des ailes longues, effilées, en forme de lame de faux. D'ailleurs son nom de faucon. D'ailleurs les faucons sont des oiseaux taillés pour la vitesse. Et le faucon, l'animal sur Terre qui détient le record en termes de vitesse, c'est le faucon pèlerin qui, en piqué vertical, peut avoisiner les... Simplement ici, le laisser capturer son leurre, pas insister plus. On va quand même pouvoir le féliciter. Tikit. Se retrouve menacée et en voie de disparition. Évoquons alors la pression de l'homme sur les oiseaux. Entre différentes familles de rapaces et accueillons des oiseaux pardon, appartenant à la famille des échassiers. Il s'agit ici de deux demoiselles. Se prénomme Ice. De notre territoire, et c'est notamment à cause de la destruction de son habitat. Temps pour Tarak de nous quitter, pas la même façon de se nourrir. Le voilà qui s'élance. Et c'est pas réussi. Alors c'est pas exactement ça la pêche d'un pigargue, hein, parce que je tiens à vous le dire, là vous êtes plutôt... Allez, cette fois-ci, scalpe, c'est la bonne. Non. Non, clairement. Africain marron à la tête rose. Le vautour né au framboise. Dans la nature, ce sont souvent ces petits vautours qui vont repérer les charognes en premier et qui. Vautour fauve en plumage juvénile. Oula. De couleur marron plutôt clair. Le vautour fauve en plumage adulte. Qui rejoint la tour sur votre droite, le vautour de Rupel. Lui aussi est fauve, lui aussi présent dans nos montagnes. Et le vautour percnoptère est un oiseau migrateur qui est connu en Afrique pour se nourrir des œufs d'autruche. De nos milans noirs. Les oiseaux. Et maintenant, on va où ? Il y a les petits ibis qui sont rouges là au milieu. Bravo, Timéo. Et maintenant, on est où ? À l'Opale. Oui, mais là, c'est où ? La volière. Volière. Bravo, t'as gagné. Regarde, je vais te faire crier. Tu sais parler le langage des oies? Ouais. Et vous irez là, au-dessus. Ok. Après, vous irez au-dessus, hein. Ouais. Très bien. Moi, je vais là. Ok. On prend quelle voiture est? Yes. Attention.
attention, non, descends là, descends de là. Descends tes jambes. Ça n'a pas l'air de lui faire des marques. On va essayer de lui en lancer un autre. Kadi se lève. Et on voit Taïga là-bas qui s'en va. Les loups sont assez curieux. Et ici, donc, comme vous avez dit, ce sont des loups du Canada. Donc les loups du Canada, ils sont plutôt peureux, mais en même temps, là, ici, c'est leur territoire. Vous avez aussi, on connaît le loup gris, le loup d'Europe. Lui, il va être de nature beaucoup plus craintif, dû à son passif avec l'homme. Donc en fait, le loup gris, si vous en croisez dans les forêts, en fait, lui vous verra bien avant, et vous n'aurez même pas le temps de le voir. Le loup du Canada, lui, il va être un peu craintif. Donc là, on peut observer la couleur de nos loups. Mamie ? Ouais. J'indique les trois côtés comme ça. Ah ouais. Top. Et voilà notre chambre ici, yes. Avec la vue extérieure. Oh, il y a des jumelles, elles sont là. C'est vrai. Ah ouais. Voilà. Ok. Et des animaux juste là-bas au fond, on les voit, les huppes. Alors on va aller voir la chambre de Timio. Allez, c'est parti. Donc, salle de bain. Voilà. Donc, le choix pour Timéo, c'est soit là-haut, soit là, soit là. Trois lui pour lui. Déjà choisi, c'est ici. Ah. C'est vrai, c'est là. Alors, le réveil du matin, ça s'est bien passé. Ouais. Mais je pensais pas d'être en Afrique. Ben voilà. Et les animaux sont tous là. C'est calme. Alors on a souvent tendance à croire que c'est une question de taille, on imagine que les otaries sont bien plus grosses que les phoques, mais en fait c'est une idée reçue. Il y a différentes espèces de phoques, il y a différentes espèces d'otaries, et il y en a des plus ou moins grosses. Par exemple, la plus grosse espèce de phoque, c'est l'éléphant de mer, il va peser jusqu'à 4 tonnes, tandis que la plus grosse otarie, c'est l'otarie de Steller, et elle va peser jusqu'à 1 tonne. Aussi on a tendance à croire que c'est une question d'environnement, on imagine les phoques tranquillement sur leur banquise, dans des environnements très froids, et ils formaient en extérieur. Alors je parle évidemment pas du morse, parce que je pense que le morse, on est... Attention au départ, poussez la barre pour monter, tirez la barre, vous pour redescendre. Tu vas bouger ? Tu vas bouger ? Voilà. Rieur, martin chasseur australien, famille des acédinidés. Vous connaissez les martins pêcheurs, eux ils sont chasseurs. Trapu, avec une dague à la place du bec, une force incroyable. C'est coincé ? Ouais, c'est coincé. Attends, je vais t'aider.
Si je fais la grimace, c'est qu'il a pincé mon doigt, d'accord? Vous ne rigolez pas. Alors, c'est un réveil matin australien. Kakatoé, c'est la seule qui a une queue pointue. En vol, elles émettent un gaz humain caractéristique. Alors, n'essayez pas de les suivre, vous allez avoir vite tourné. Je vois la caméra là-bas, vous allez jamais y arriver. Là, je vois qu'il y en a qui font rêve. Alors, les enfants qui ont les bras de miel, montez sur les marches et tendez les bras. Et ne vous inquiétez pas, elles sont adorables. Une petite hyperactive sur la tête, 100 grammes, toute légère. Bouge pas les mains, hop là. Les brins de miel, j'arrive. À l'origine, elles étaient grises et jaunes, mais avec l'homme, des variations de plumage sont apparues, comme jaune, perlé jaune, des blanches, etc. Et celle qui fait les petites têtes des gens, c'est Swiffer. C'est ta sœur, là? Alors tu peux bien mettre au-dessus d'elle, il y a toutes les graines qui vont tomber. Tiens, jeune fille. Hop, bouge pas. Pas les deux, les filles. Cet oiseau s'adapte à beaucoup de milieux, que ça soit des milieux arides ou forêts. Vous l'avez coupé en deux? Mais comment je fais? Moi, je coupe ma perruche en deux. C'est pas possible, vous partagez la perruche. Un brin de millet sans perruche. J'arrive, jeune fille. Le millet est l'essentiel de leur régime alimentaire. Elles se nourrissent aussi d'autres graines de légumes. Notre collègue, dans la tête. Et le soir, il dit, salut les petits. Et oui, ça vole bas, ça pique des casquettes, on l'aura appris. Alors ce joli cacatoès de 300 grammes, il est tué, piégé, empoisonné en Australie. On l'observe par des cuisses de poulet. Elle, c'est des cuisses de saisonnier. Animal gourmand, elle va vous dire ce qu'elle préfère manger sur le bras d'Agathe. Des cacahuètes, elle va le répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. Les percuter, merci beaucoup. Et maintenant, on évite les captures et cette technique s'appelle l'entraînement médical. Et la pro de l'entraînement médical, c'est elle. Non. Les perruches sud-américaines, on les observe dans les forêts ouvertes et les savanes boisées. Il existe un peu plus de 50 espèces de conures. Oh, pardon, jeune fille, donnez les pieds aux enfants. Un vol direct et rapide, un cri strident et très puissant. Ça va arriver, je vous rassure, ça va arriver. Christine et Michel Rat qui ont monté là-dessus. Et moi, j'ai fait le caméraman.
Donc je vous laisse monter et voir Michel Rat et Christine Rat. D'ailleurs, on n'oublie pas le pouce bleu, ce serait gentil. Merci. Et si vous voulez pas le mettre, c'est pas grave. Juste en bas, je vous rappelle. Voilà. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça me soutient énormément. Vraiment beaucoup, beaucoup. Merci. C'est grâce à vous qu'on puisse aller là. Donc, merci beaucoup. Je compte sur vous pour atteindre les 6 millions d'abonnés. On en est au 5 millions. Vous pouvez baisser les barres, allez-y. 6 millions, ce serait trop bien. Allez, je vous laisse regarder. Vous pouvez voir, ils sont dans le celui du wagon du milieu. Le compartiment du milieu. L'utilisation du téléphone est strictement interdite durant le transport. Là ça tourne, donc on vous informe, on vient de voir un youtubeur. Maintenant on a des conseils. Dédicace à, je vais vous dire, comment il s'appelle déjà? Non, j'ai pas. Comment il s'appelle papy, le youtubeur? Bah, on lui met tu veux Astérix? Ah bah on le refera autrement Tom, parce que ça va pas Tom être... Tom and Ride. Si vous voulez voir ses vidéos, elles sont super. C'est... Vous découvrez, je vous dis pas. Voilà. Il est très gentil. Donc là, on est toujours à l'Eupal. Donc on l'a croisé à l'Eupal. Et du coup, bah maintenant, je vais vous montrer la route et voilà. Bonne vidéo. Juste là, il y a un pan. Entrée. Là, un train. Voilà. Et là, votre chemin de fer. Salut. Là, on va aller faire les montgolfières. Je mets pause et je vous remets dès qu'on y va.
Thank you.